ko onno maketelo ko Moussa Ba ko onno woni baabe ngare Ousmane Ba e fejjindo do hanki on men tori ko yo yardo ko yalla yurme yafo ngare meden andi on ala no ga fewndo du wadi e onon ko honno humpitor don ko onno be no diri on be sifanori o wonde madon do wadi ari nanka pepiniere am dawo de pepiniere dube tan le to de golan le to fukango no dilan e walusman e pelusman te yan de kadi de panikite nakite golan le de de ok ara i boyo mum ni na ko yon satino bayno no metti fi ha ara yo su kado ko do tu mar don ka do mari wobbe go o e la mari ka di ah ki da go e ben do ben la do ara Ousmane Ba ko fay bu ni me fay bu ni ni mo mana ni na ma ni be ngol le ko ba ni jangu no seda jangu ne wadi metten be la mécanique on va on le ñand eu de lan do ni dit de no koy ah non no kan ko groupe mako kan ko gore mako be et puis copier mo gadjo ba be fi ba be heuti do be sagi ti oh sagi ti kan ko do do ya leya ko ben rek ko atal ko do ko be heuti mo be fellim ara woni wano ni o fella ma woni o fejjini e onon ko on ummar don ko lando don fi dun no wano sengo nyaawobe e sengo laamu ara ko on ummar don ko lando sengo na sengo la ala la ni sis parce que c'est ya tay goddo ganna makko appel lim ni appel lim wa 2 bal 3 bal ara na dum woni tigi tigi on doa ana ko doa do no manangu de nangimo this is an audio dem am ko ndan say woni ko kontante mo si tay woni nangi be be tay mo mo lawo ko dogi ko dogi de e fe lim hare ni te e mun ya la nakide do kam do ya la nakide nangi ya la nakide jang ya la nakide ya nikke al ko kam do ya la nakide C'est pas Ibrahim résident à cause de Nasrullah. D'accord, on a appris que c'est votre frère Ousmane Ba qui a été tué hier. Dites-nous vous ce que vous savez de cela. Ok, en fait, c'est comme vous le savez déjà, à chaque fois que les forces vives ou FNDC appellent à une série de manifestations. Donc notre quartier ici, Nasrullah, est pris au piège. C'est-à-dire, à tout moment qu'il y a une manifestation, il y a une descente musclée des gendarmes, des forces de l'ordre mixtes dans notre quartier. C'est hier vers les 13h, comme vous le savez, on était tous là dans notre kiosque, le café d'à côté, chez nous. Comme vous le savez, dans un kiosque là, il y a tous les jeunes qui ne manifestent pas, qui sont là à parler des événements. On était là vers les 13h quand trois pick-up gendarmes ZIR, groupement d'intervention rapide, sont venus dans notre quartier, sont descendus brusquement dans notre quartier. Tout le monde a pris la fuite. Mais entre-temps, moi, je n'ai pas pu fuir. Il y avait mon frère qui vendait du café et moi, on n'avait pas pris la fuite. J'étais là. Je lui ai dit que de ne pas fuir parce que nous sommes chez nous. On ne va pas fuir. Ils sont venus jusqu'à notre niveau, ils ont ralenti. Après, ils ont continué leur chemin vers le terrain. Arrivé au terrain, parce que lorsqu'ils étaient venus, il y avait une partie qui avait pris la fuite vers le terrain et d'autres qui étaient rentrés dans les concessions, se cassés. Arrivé au niveau du terrain, il y a l'un des pick-up qui ont garé. Du côté escroc, comme on le dit souvent, il y a un gendarme qui est sorti, il a fait une rafale sur la foule qui était descendue vers le terrain. Après, ils ont continué leur chemin vers le carrefour Pouza. Entre-temps, il y avait ma moto qui était garée là, stationnée derrière la cour. Je me suis précipité, je me suis dit, je vais faire rentrer ma moto dans la cour. Parce que d'habitude, quand ils viennent, ils emportent tout ce qu'ils voient avec eux. J'ai fait rentrer ma moto dans la cour.
quelques minutes plus tard, je me suis retourné, on s'est retrouvé encore juste au kiosque. Mmh. Quelques minutes plus tard, on entend des cris qui viennent vers chez nous. Les enfants qui venaient en pleurant. Et ils ont tiré sur mon, ils ont tiré sur Bassman. Tout le monde a fui encore partant vers le terrain, là où ils ont tiré, les militaires. C'est là-bas, je me suis précipité, j'ai déjà encore arrivé sur les lieux, ça trouvait qu'on a déjà transporté mon